doors collapse down. Je sais ce qui m'a affecté. C'était le 11 septembre. Je n'oublierai jamais. Beaucoup de colère et de haine envers le monde arabe. Voir ces images des gens qui sautent des tours, les gens piégés dans les avions, comme le vol 93. Mon pays était attaqué. Alors c'est devenu personnel. J'ai chassé quelques personnes avec ma voiture. Beaucoup d'entre nous chassions des Arabes. Mark Stroman wanted revenge, so he went to three Dallas area convenience stores and shot three clerks who he thought were Muslims. J'ai fait ce que je croyais juste. J'ai fait ce que tous les Américains rêvaient de faire sans en avoir le courage. Racontez-moi l'évolution du Mark de 2001 à celui d'aujourd'hui. C'était plus ou moins un idiot égoïste, très superficiel. Je sais que j'ai causé de la peine et de la douleur à ces gens. Ce que j'ai fait subir à ma famille est deux fois pire pour la leur. Mark Stroman is pleading for forgiveness. Race Bouyan, the sole survivor of his violent attacks, is now trying to save his life. Mon nom est Race Bouyan. Je suis à Trafalgar Square pour vous transmettre un message de la part de Mark Stroman. Moi, les autres victimes et leurs familles lui avons pardonné. Et il sait maintenant que personne ne le hait. Les personnes qui auraient toutes les raisons de le détester l'aiment. Race Bouyan, an immigrant from Bangladesh, he was in Boston's federal courthouse fighting to convince a judge to postpone the execution of 41-year-old Mark Stroman. Monsieur Race, vous avez pardonné l'impardonnable. J'ai beaucoup de respect pour vous, pour les Patel et pour les Hassan. Merci de tout ce que vous avez fait. S'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame avec les musulmans. Si quelque chose devait se produire, si un groupe terroriste attaquait ce pays, s'il vous plaît, unissez-vous, soyez forts. Ne devenez pas comme Mark Stroman.